Je vais prendre un ton très solennel pour quelques minutes. Je tourne dans un contexte particulier parce que je viens juste d'apprendre le décès de Nyusere Kalala Omotunde. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. C'est lui qui m'a réveillée grâce à une de ses vidéos sur la chaîne Canal 10. C'est lui qui a orienté mes recherches, c'est lui qui m'a fait comprendre de toute la falsification, ou en tout cas d'une partie de la falsification de l'histoire et de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Je suis évidemment très triste. Je sais que je ne suis pas la seule à m'être éveillée grâce à lui. Je sais qu'on est très nombreux dans ce cas, qu'on lui doit beaucoup. J'aurais aimé le remercier en face à face un jour. Ça se fait d'une autre manière. En tout cas, je retiens deux choses. La première, c'est qu'on ne peut plus perdre de temps. On a énormément de choses à accomplir. On a même tout à accomplir. Je suis actuellement au QG d'Ujima et je sais que Omotunde est passé par là parce qu'il avait la volonté de s'installer très prochainement au Bénin. Et à nous tous qui souhaitons retourner ou nous installer sur le continent, on ne peut plus perdre de temps, on ne peut plus projeter ça à l'année prochaine, à 5 ans ou à 10 ans. Il faut qu'on le fasse maintenant. Comme je le disais, on a tout à accomplir ici. Il faut qu'on sorte des livres, il faut qu'on sorte de la théorie, il faut qu'on sorte des débats, il faut qu'on sorte des conférences et qu'on pose les actes concrets pour notre liberté, pour notre autonomie. Et ça passe d'abord par l'autonomie alimentaire. On ne peut rien faire de concret et de grand si on n'assure pas d'abord notre capacité à nous nourrir. Et la véritable autonomie, la véritable liberté, c'est pas de compter sur des supermarchés ou des marchés pour subvenir à ce besoin primaire qui est de s'alimenter. L'objectif ultime, qui est loin d'être utopique, c'est de sortir de chez nous, d'aller dans notre jardin, d'aller dans notre terrain et de nous alimenter directement. La nature est extrêmement riche, je le vois ici. Ujima, ça fait 7 mois qu'ils sont dans cette maison. Il y a tellement de choses qui poussent, c'est impressionnant. Alors qu'à la base, c'est même pas une maison qui a été faite pour permettre à ses habitants de planter et de se nourrir. Et pourtant, ils ont fait des choses exceptionnelles. Il faut qu'on ait ce courage et qu'on ait cette volonté-là d'atteindre cet objectif. Parce que tant que cette autonomie alimentaire-là ne sera pas atteinte, on aura beau avoir les plus beaux discours, les plus belles informations sur notre passé. Le fait est qu'au présent, on ne peut même pas se nourrir et on compte encore sur des personnes pour nous donner des aliments dont on n'est même pas sûr de la qualité, même sur le continent. Grâce à Hermile et Diana de l'école Ujima, j'apprends quels sont les véritables enjeux, quels sont les véritables défis dont on doit trouver des réponses très, très, très rapidement pour nous, pour notre continent, pour nous permettre de vivre avec la meilleure santé possible, le plus longtemps possible, pour continuer à œuvrer, car on a besoin de chacun d'entre nous. Que le cas de Nyusere Kalala Omotunde soit vivifié et puisse-t-il nous guider vers la pensée juste, la parole juste et l'acte juste.